Dans le même registre, Gerdès Gabon a animé une conférence de presse au cours de laquelle il a présenté son rapport préliminaire d'observation à la presse nationale et internationale. Plus de précisions avec Jerry Mbougoubiligou. La pionnière des missions d'observation, Gerdès Gabon, ou groupe d'études et de recherche sur la démocratie et le développement économique et social, a conduit une équipe à travers le pays aux fins d'observer la récente présidentielle. Le jour du scrutin, ces équipes ont visité plus de 600 bureaux de vote. L'évaluation de la mission est donc basée sur les constats et comptes rendus des observateurs déployés sur le terrain ayant observé l'ouverture du scrutin, le déroulement du vote et le dépouillement des bulletins. À l'épreuve des faits, la mission aura connu quelques difficultés. La mission de l'observation du Gerdès a relevé que la plupart des bureaux de vote ont ouvert avec beaucoup de retard. Certains bureaux ont ouvert même après 3 heures de l'ouverture légale. Le facteur d'intempérie, l'arrivée tardive des membres des bureaux de vote, des représentants des candidats ou des partis en compétition, parfois du matériel électoral, tout comme la certification des bulletins par leur endossement par les membres du bureau, sont les principales causes de ces retards qui ont parfois provoqué des mouvements d'humeur au niveau des électeurs. Au finish, Gerdès Gabon a souligné quelques points d'attention pour améliorer le processus. La tenue effective de l'élection présidentielle du 27 août 2016 constitue un symbole fort dans la consolidation de la démocratie au Gabon. Elle marque un point important dans l'appropriation de meilleures pratiques quant au processus électoral. L'engagement des différents acteurs au processus a contribué à un environnement qui a permis l'expression libre du choix démocratique de l'électorat dans le cadre. Cette mission a vu la participation de plusieurs délégués venus de certains pays africains, tels la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Tchad, la RCA, la République démocratique du Congo, pour ne citer que.